Bon, qui lui en parle? Payena. Ça tombe bien, je comptais rien dire. Bah, Yannick, sinon. Pourquoi moi? Un garçon, elle osera pas répondre. Bah oui, mais enfin, il connaît pas le dossier, donc, enfin, pourquoi pas Faustine? Ah oh, bah moi, je vais bien lui parler, hein. Non, merci, Faustine. Ou alors Lou? Je sais pas de quoi vous parlez. Bon, bah, je vais le faire, alors. Mais pourquoi toi? Bah, parce que je parle bien et tout ça. Bah, si c'est pour parler bien, je peux le faire. Décidez-vous, parce que j'entendais pas, elle arrive. Et en plus, elle se marre. Là, je vois pas du tout. Ça va? Ouais, toi? Zoé. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont bizarres. Ouais, ça va? Bah, moyen, quoi. Je peux? Bah, fais comme chez toi. T'as pas croisé Romane par hasard? Non, j'aurais dû. Elle t'a pas parlé de contrat. T'as chaud? Tu m'étonnes qu'elle a chaud. Les filles veulent te parler. C'est bien ce qui me semblait. Du coup, bah, de quoi? C'est pas un truc grave. Vu l'ambiance, j'ai un doute. Bon, bah, Léna, je voulais parler. Ah non, c'est pas moi qui ai dit ça, hein. C'est Jade. Bon, bah, alors Jade. Bah, vas-y, Jade, veux que tu parles bien. Bon, est-ce que ça a un rapport avec moi? Un peu quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a que Anaïs et toi. Gaël! Et qu'est-ce qu'elle a? Bah, tu vas comprendre. Ah, bah, t'es là, toi aussi. Parfait. Bah, déjà, j'aimerais que tu me parles autrement. Vous lui avez expliqué pour les contrats? C'est quoi ces histoires de contrats? Gaël nous a fait signer en début d'année des papiers. Et il paraît qu'ils sont bidons. Ouais, mais les papiers, ils viennent pas de moi. C'est Anaïs qui les a donnés. Ah! Ah oui, c'est bon, je viens de comprendre, c'est bon. Bah, explication. Alors, les enfants, vous savez tout le bien que je pense de vous. C'est une question. Bah non, justement, on sait pas. Ça, par contre, ça me touche un peu, quoi. Mais on s'en fout que ça te touche, hein. C'est quoi les histoires de contrat, là? Alors, mes enfants. Arrête avec mes enfants, là. Bon, bah alors, mes cocottes, hein. Excuse-moi, Yannick. Faut que je vous explique. Quand j'ai monté cette grande aventure qui est l'atelier cartoon... Ah, parce que c'est toi qui l'as monté. T'es précise, j'aime ça. Tu l'as pas monté? Oui, enfin, je l'ai fait progresser, quoi. Donc, je l'ai fait passer à un autre niveau. Oh. Excellence. Je sais pas ce que vous comprenez pas là-dedans. C'est quoi cette histoire qu'on doit tout faire sans poser de questions? Oui, bah, c'est la base de ton métier d'acteur. Petite nuance, c'est pas mon métier. Ou alors on est payé. Mais on s'en est pas aperçu. Donc? Ok, donc là en fait vous êtes en train de vous révolter. Pas moi. Les autres? Bah je sais pas trop. Les autres? Bah clairement ouais. Parce que c'est pas toi qui a fait progresser Cartoon, c'est nous. Nous, c'est-à-dire? Bah ce groupe surtout. Imagine qu'on s'en aille tous là. Non, j'ai pas envie moi. Imagine que tu retires tout ça là. Bah on en reprend d'autres. Bah dans ces cas-là on peut partir. On a déjà eu cette discussion en plus. Alors, mes enfants. Faut que t'arrêtes de nous parler comme si t'étais notre mère. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez pas partir, vous avez pas le droit. Bah si, j'ai juste ouvert la porte et puis... Et puis tu te prends un procès. Quoi? Elle est sérieuse là? Très sérieuse, le papier que t'as signé c'est pour ça. Donc là t'es en train de nous dire qu'on est prisonniers. Tu vois des barreaux aux fenêtres? Non mais je joue pas sur les mots, si on partit on part ou pas? Comment t'as réussi à faire ça là? C'est le business ça, Malo. Je te demande pas comment ça s'appelle, je te demande juste comment t'as réussi à faire ça. Bah fallait lire tout le contrat. Il y a 75 pages. C'est fait exprès. Ce qu'elle essaie de vous dire. Non mais c'est bon, on a compris. Donc en clair, on s'est fait avoir. On peut dire ça comme ça. Et si on se met plus à tourner? Bah procès. J'aime pas trop cette sensation. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, je suis comme vous, j'essaye de comprendre. Anaïs, comment t'as pu nous faire ça? Et même toi? Oui, bah, c'est pour faire avancer les choses. Donc tu mets la tête de tes copines en balance, toi? Non, mais attention, Cyrielle, hein, dans ce milieu-là, y a pas de copines. Et donc, qu'est-ce que t'as prévu pour cette année? En tant que chef de groupe? Un film d'espionnage. Avec des cascades? Bah, ouais. Mais y a des cascadeurs? Bah, oui, vous?
T'es en train de me dire qu'on va faire des trucs de ouf là sans doublure. Bah, c'est le jeu. Et s'il y a un accident? Oh non, mais il parle pas de malheur. Ok, bah moi j'espère qu'il y en aura. Ce serait tellement drôle. Bon, maintenant qu'on a un peu discuté, qu'est-ce qu'on fait?